Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier aussi bien l'Institut français que le Festival international d'animation Aniloc d'avoir rendu ce partenariat possible aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que nous avons entrepris cette première collaboration depuis la délégation du gouvernement de la Catalogne en Europe centrale que je dirige, qui est notre première collaboration en Hongrie. Et c'est avec enthousiasme que nous avons participé à l'organisation de cet événement qui compte avec une présence catalane si remarquable cette année. Le film Josep rend hommage, certes, à l'artiste catalan exilé Josep Bartoli, à son courage et à son talent. Mais à la fois, il rend hommage à des questions universelles telles que l'art, l'importance de la mémoire historique pour l'humanité, la création dans des moments dramatiques comme les conflits et les guerres. Nous avons besoin de l'art en tant que société et à la fois, l'art a une telle force de communication. La capacité d'expression à travers de l'art pour décrire les drames ou pour nous en évader permet de laisser l'empreinte des artistes et de l'histoire en majuscule. Et un grand merci également à la délégation du gouvernement catalan en Europe centrale de nous avoir permis donc d'avoir un invité aussi prestigieux qui va nous parler beaucoup de mémoire et du sort des réfugiés espagnols après la guerre d'Espagne. Voilà, aussi simplement pour le contexte, ce film que vous allez voir ce soir a gagné le César du meilleur film d'animation cette année. C'est l'équivalent donc du coup des Oscars, mais en France. Et qu'est-ce que je peux ajouter également? J'appelle votre attention sur le dessin. Évidemment, l'histoire est absolument tragique, absolument... C'est une histoire très forte, mais j'appelle aussi votre attention sur le dessin qui évolue en fonction des personnages, en fonction des lieux, en fonction des situations. C'est vraiment un premier film et c'est déjà un excellent travail. Voilà, je vais passer la parole à notre invité pour qu'il puisse se présenter également. D'être devant vous ce soir, vous allez voir ce que je pense être un très grand film. Je le dis d'autant plus tranquillement que je n'y ai que très peu participé. Voilà, ce n'est pas mon film, j'ai juste servi de référence historique, biographique, géographique pour Aurel et Jean-François Milesi, le scénariste. Voilà, donc je le dis avec une totale tranquillité. Je crois que c'est vraiment un très grand film pour deux raisons, comme le disait Christina, c'est que d'abord il réhabilite un artiste absolument méconnu et dont on s'accorde maintenant et bien que moi je le trouve génial, c'est normal, c'est mon tonton, voilà, c'est un artiste majeur et qu'on découvre absolument. Et puis ça réhabilite surtout toute une génération de gens qui sont passés dans les oubliettes un peu de l'histoire, qui ont été effacés des mémoires, tant en France que dans leur pays d'origine. Et 80 ans après, presque 80 ans après, on redécouvre une tragédie qui aujourd'hui encore marque durablement le sud de la France, parce que c'est là où elle s'est produite. C'était si je peux me permettre, une comparaison qui vaut que ce qu'elle vaut, mais c'était le Calais de l'époque, avec des gens qui ont eu beaucoup de mal, qui ont été dans des camps de concentration, même à la plage, qui ont reçu de cette République française de l'époque, qui était celle qui allait devenir Vichy, donc qui était déjà presque plus la République. Et je fais bien la différence entre la République française en général et ceux qui l'ont à un moment confisquée. Déjà, elle était déjà confisquée par les forces de pouvoir et elle s'apprêtait à devenir ce qu'elle est devenue 6 mois plus tard. Voilà. Il faut bien replacer les choses dans le contexte historique et ne pas condamner un pays et une République
pour un moment déterminé de son histoire. Fantasztikus volt a film, és köszönjük, hogy itt van. Első kérdésem nagyon egyszerű lesz. A film előtt már beszélt annak az erényeiről, most viszont azt kérdezném meg, hogy amikor legelőször látta ezt a filmet, utána mi volt az első érzelem, ami a hatalmába kerítette? Voilà, il y a des choses qui sont complètement fictives là-dedans, mais d'autres qui sont la pure réalité, notamment cette romance magnifique avec Frida Kahlo, les dessins qui sont, Aurel part avec beaucoup d'intelligence et de finesse des vrais dessins de mon oncle pour réaliser les siens. Donc, moi qui ai bien connu mon oncle, évidemment, là j'ai retrouvé, je n'avais pas vu le film, Avant qu'il soit pratiquement terminé, en tout cas le montage était terminé. Il manquait l'étalonnage, il manquait les génériques, des choses comme ça, mais le montage lui-même était terminé et je n'ai pas vu le film avant. J'avais vu quelques teasers, je savais à quoi ça allait ressembler de manière très, très vague, mais le film lui-même, je l'ai découvert dans une projection privée là, préalable à sa sortie. Et j'avoue que ça a été une immense émotion. Et puis surtout une satisfaction d'avoir contribué à... Parce que je suis le neveu, mais j'aurais pu être autre chose que le neveu. Le plus important pour moi, c'est pas d'être le neveu, parce que ça, je n'y peux rien. Mais c'est d'avoir juste toujours cru que mon oncle était, au-delà du fait d'être mon oncle, était un grand artiste et qu'il n'avait pas eu la reconnaissance de son vivant qu'il aurait mérité en Europe. Parce qu'aux États-Unis, ce n'était pas le cas. Il était reconnu aux États-Unis, mais pas du tout en Europe. Et donc, ma fierté d'avoir contribué avec beaucoup d'efforts, beaucoup de ténacité, parce que ça n'a pas été facile, à faire reconnaître cette œuvre et, comme je le disais en préalable aussi, cette période historique. Qui était très, très méconnu, qui était des fois même nié. Parce que vous savez que toute histoire comporte ses négationnismes. L'histoire de l'accueil, entre guillemets, des républicains espagnols en France fait aussi l'objet d'un négationnisme par omission, je qualifierais comme ça. C'est-à-dire qu'on ne nie pas que ça a été comme ça et que ça s'est passé comme ça, mais on n'en parle pas. Erről már a film elején is beszélt, hogy ennek a fantasztikus művésznek, illetve ennek a korszaknak az újra felfedezése zajlik jelenleg. Ön szerint miért pont most jött el az a pillanat, hogy elkezdődött ez az újra felfedezés, és hogy pont most elkészülhetett ez a film, elkészült ez a film? Pour moi, le moment aurait pu venir bien avant. Puisque nous autres fils, pour certains petits-fils de la retirada, nous savons ça depuis longtemps, nous portons ça depuis longtemps. Je pense même que l'exil a un côté génétique, je crois qu'il y a une théorie qui n'est absolument pas scientifique, mais je pense qu'il y a une modification de l'ADN des enfants d'exilés. Parce que moi qui n'ai pas connu l'exil, qui suis né en sécurité en France en 1957, donc presque 20 ans après ça, moi et beaucoup d'autres, hein, je ne suis pas le seul dans ce cas, sinon ça serait pathologique, mais on est beaucoup dans ce cas à porter cette souffrance de nos parents. Mais plus que la souffrance, c'est la colère qu'on porte à nous. La colère de l'injustice, d'abord d'avoir perdu une guerre que nous on n'a pas menée, mais on l'a quand même perdue, une guerre de la démocratie contre la liberté, une guerre du droit contre la barbarie. Le film, Aurel a eu l'idée de faire ce film parce qu'il est tombé, et par le plus grand des hasards, sur un livre que j'avais publié en 2009 aux éditions Actes Sud, qui s'appelle La Retirada, et que j'avais illustré avec des dessins de mon oncle. Alors, contrairement à ce que dit le titre, c'était pas un documentaire de plus sur la retirade, qui est un épisode historique maintenant bien connu, bien maîtrisé, mais c'était sur ce que nous, enfants de la retirade, comment on avait grandi dans un pays qui est devenu le nôtre, mais qui n'était pas. Sûrement ma première langue, c'est le catalan, c'est pas le français. Hein. Le catalan, le français, je l'ai appris à l'école, j'en suis très heureux, mais je l'ai appris à l'école. Voilà comment nous, on a grandi là-dedans. Donc ce livre était.
a été illustré dans le dessin de mon oncle, dont une très forte couverture qui a attiré l'attention d'Aurel, qui ne connaissait pas du tout ni cette période politique, ni ce dessinateur-là, et qui en est tombé amoureux, je crois qu'on peut le dire, il est vraiment tombé amoureux de ce trait, de ce dessin aussi fort, et c'est à partir de là qu'il a eu l'idée de faire le film. Alors moi, en le découvrant, j'ai l'émotion de découvrir ce que je considère être un chef-d'œuvre, dans lequel je n'ai pas joué un grand rôle, sinon d'avoir publié un livre 10 ans plus tôt, et ça, effectivement, légitimement, je crois que pour la mémoire des miens, j'en suis très fier. Beszélt az országban a szembenézésről a történelemnek ezzel a szakaszával kapcsolatban. Nem mint ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy nem mint Josep unoköccse, meg nem mint művészetkedvelő, hanem mint katalán ember, önnek mit mondanak el erről az időszakról Josep ekkor készült munkái, olyan dolgot, amit más nem tud elmondani? Donc, la Catalogne de mon oncle, en fait, mon oncle n'est pas un peintre de la Catalogne ni un dessinateur de la Catalogne. Il est un dessinateur de la guerre et un peintre de l'exil. Ce qui marque son œuvre post-retirée, post-guerre d'Espagne, c'est moins le sentiment catalan, même si chez lui il était prégnant et absolument assumé jusqu'au bout. Son œuvre est une œuvre de l'exil et une œuvre de critique sociale. Moi, je vous invite, évidemment, c'est pas à côté, mais si vous avez l'occasion de venir en France, il y a un mémorial au camp de Rivesaltes, à côté de Perpignan, qui est un mémorial qui n'est pas consacré uniquement à l'exil espagnol. C'est un mémorial qui est consacré à la détention des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, des Roms d'Europe centrale, y compris hongrois, qui ont été emprisonnés dans ce camp, des Espagnols aussi, bien sûr, et plus tard même des combattants algériens de l'armée française, les Harkis. Donc c'est un lieu vraiment très, très chargé. Il y a un mémorial qui a été inauguré depuis 7 ans, qui est une œuvre architecturale remarquable, et dans laquelle on expose pour un an, jusqu'en septembre 2022, le fonds qu'on a pu récupérer des États-Unis de mon oncle. Donc on a monté une exposition rétrospective sur toute sa vie et son œuvre, qui commence par les dessins de la guerre civile qui appartiennent aux archives municipales de Barcelone, qui nous ont prêté, qui sortent des archives pour la première fois, des œuvres qu'on a récupérées aux États-Unis, et aussi des œuvres confiées par la Generalitat de Catalunya et des familles de collectionneurs catalans. Donc on peut voir d'un seul coup, sur 400 mètres carrés, dans de très bonnes conditions, on peut voir toute l'œuvre de mon oncle. Et là, on comprend que c'est la colère qui l'habite, c'est la critique sociale, sa critique de la société américaine, la société libérale, capitaliste américaine et féroce. Merci beaucoup.